Merci d'être là, merci d'être connecté pour la Coupe de France du burger by Socopa. C'est la cinquième édition régionale, après un week-end d'élection, bien sûr, j'imagine que vous êtes allé voter. On est très heureux d'être là. C'est la cinquième finale régionale avant d'enchaîner tout à l'heure à 16h30 avec la finale nationale. J'ai à côté de moi le champion en titre, le champion de France du burger. Mais c'est David, je cherche Samuel. N'empêche qu'avec le masque, avec la tenue. Oui, c'est ça. Avec le masque et avec la tenue, vous vous ressemblez fortement. David Gallienne, qui est donc le président du jury de cette année. Ça va toujours, David ? Ça va toujours. Bah, on dirait deux frères, hein, quand même. Hein, je ne veux pas le dire, mais bon. Et Samuel, qui est donc le champion de France en titre, qui était là l'année dernière. Alors, pas exactement dans ce loft, mais dans un autre endroit. On a vécu, en fait, cette cérémonie 2020, un petit peu particulière, d'ailleurs. Ouais, quel souvenir tu en gardes ? Un excellent souvenir. C'est vrai que on était un peu plus confinés que ce que ça l'est aujourd'hui. Ouais. Après, un excellent souvenir. C'était très bien. Une belle ambiance de concours comme on peut avoir aujourd'hui. Franchement, c'était super. On remet son titre tout à l'heure dans une heure. On n'est pas trop triste ? Non. Au contraire, moi, je suis super content de voir et les anciens vainqueurs et puis les futurs et puis de goûter les 25 meilleurs burgers de France. C'est vrai. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que ce concours t'a apporté durant toute cette année qui était un petit peu particulière, il faut le dire. Oui, effectivement. Après, pendant cette crise qui a impacté forcément tous les restaurateurs, on a eu un énorme quand même impact médiatique derrière ce titre. Et forcément, ça a influé sur la clientèle et donc le chiffre d'affaires. On a battu des records après le gain de ce titre. Ouais, c'était vraiment une belle expérience et puis une belle mise en avant médiatique, vraiment. Alors, une mise en avant médiatique à la fois pour toi qui es champion de France, mais je crois qu'on peut le dire pour l'ensemble des 25 finalistes des régions et de la finale nationale. Enfin, c'est quand même une formidable vitrine. Voilà, on va dire que cette aventure médiatique commence déjà dès le jour où il y a quelqu'un de Socopa qui nous appelle et qui nous dit vous faites partie des 25 sélectionnés. Et à partir du moment où on monte à Paris, je pense qu'on a déjà cette mise en avant qui est là. Et je pense que peut-être que certains n'en sont pas encore conscients aujourd'hui, mais effectivement, c'est vraiment, faut prendre ça comme un privilège. Ouais. David Gallienne, qui est donc le président cette année de cette élection, il y a encore un petit peu de place pour goûter encore 5 burgers avant la finale, avant d'en regoûter 5 encore, David. Ouais, il y a encore de la place. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Samuel. Effectivement, 25 sur 400, il faut le rappeler quand même. C'est une chance inouïe d'en être arrivé là et vous pouvez d'ores et déjà être fiers de vous tous. Faut quand même avoir un peu de coronesse pour venir se présenter devant un jury. Et voilà, les concours sont ultra formateurs. Ils en sortiront que grandis, j'en suis sûr, de belles rencontres. Moi, le premier, hein, je suis ravi de rencontrer Samuel et tous les anciens champions de France. Voilà, c'est un plaisir de se retrouver dans le monde de la profession et le monde de la gastronomie. Et voilà, longue vie à notre métier. J'ai hâte que l'on découvre maintenant les créations des chefs qui sont présents. On va découvrir 5 nouveaux burgers. Je voudrais simplement saluer aussi les autres membres du jury que j'irai rejoindre tout à l'heure. Didier Patin est avec nous. Bonjour Didier, merci d'être là. On échangera tout à l'heure. Pierre Brisson, merci Pierre de votre présence parmi les membres du jury. Chloé Labiche de The Pro, du magazine The Pro, magazine professionnel. Et Céline Mardaour de Socopa Restauration. Merci Céline de votre présence aussi. Les 5 candidats, vous les avez devant vous. Il y a d'un côté et à ma droite la candidate Amélie, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît et l'encourager. Bonne chance Amélie. La dernière femme. La dernière, oui, je vérifie. C'est bien la dernière. Derrière les masques, des fois, c'est. Il est de retour parmi nous. Il était là l'année dernière. C'est Malogwen qui est là. Vous pouvez l'applaudir. Kevin Bernard, qui est là également. Salut Kevin. T'étais là l'année dernière aussi. De retour cette année. Maxime, qui est avec nous. Maxime Leborgne, qui est là. Et Jonathan Parès, qui est avec nous. Bon courage. Jonathan, vous les avez vus tous les 5. On va faire connaissance avec eux, évidemment. 25 minutes pour dresser 4 burgers identiques sur la recette grâce à laquelle ils sont qualifiés pour participer à cette finale. C'est la région Ouest. Allez, on fait les comptes. 3, 2, allez-y, Samuel. 3, 2, 1.
Allez, c'est parti. C'est parti pour 25 minutes. 25 minutes de concours, 25 minutes pendant lesquelles il va falloir donc monter, dresser 4 burgers identiques, en couper 2 sur les 4 en 4, pour que les membres du jury puissent les déguster. Et tout ça, évidemment, dans les 25 minutes et pas une minute de plus. Cette année, il y a une thématique retour aux sources. Chaque chef a créé un burger selon cette thématique et en fonction de sa propre sensibilité, avec des produits, avec des goûts et des saveurs qui lui sont propres. Et on va aller les interroger pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils ont construit leur histoire. Sur les critères de notation, c'est important. Il y a effectivement ce rapport à cette histoire, retour aux sources. On notera également les burgers sur la présentation visuelle, mais également sur le mélange des saveurs et des goûts. C'est aussi ça qui est important dans ce concours. Juste un mot sur l'importance aussi du burger aujourd'hui. Le burger, c'est 37 millions de Français qui consomment chaque année du burger. En France, on consomme chaque année 2,6 milliards de burgers dans les restaurants, à la maison, mais également en livraison. Le burger est aujourd'hui devenu le deuxième produit le plus commandé dans les restaurants, à livrer, avec la période que l'on a tous traversée, juste derrière la pizza. C'est donc un produit qui est un incontournable des restaurants, et on va le voir avec les créations que l'on va vous proposer aujourd'hui. On va se rapprocher de notre première candidate, Amélie. Bonjour Amélie, ça va ? Ça va. Bon, pas trop la pression avec... Pas du tout. Non, ça va. Pas du tout. Alors, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu quelle est l'histoire du burger que tu viens nous montrer, nous raconter aujourd'hui. Quels sont les produits qui ont été sélectionnés par tes soins ? Alors, moi, l'histoire du burger, c'est en fait, je suis une tourangelle. Et j'ai grandi là-bas, ma famille, mes amis, tout le monde. Et en fait, j'avais cette légèreté que je voulais retranscrire déjà dans le burger de ma jeunesse. Et on est dans une cité quand même très gastronomique, ça Touraine. On a tout ce qu'il faut et on n'a que du bon. Oui. Mais cette année, j'ai vraiment voulu travailler avec des plus petits producteurs encore. Donc là, j'ai été sélectionnée en fait des poires tapées de Rivarennes, qui est une spécialité vraiment historique chez nous, qui date de Napoléon. Et voilà, c'est ça. D'accord, les poires tapées. Ça, c'est avant. Ah, d'accord. Ça, c'est après. Et voilà. Comment est-ce qu'on passe de ça à ça ? En hydratation. On réhydrate 48 heures. Donc avec après, quoi ? Avec du vin ? Ce qu'on veut. Ah, ce qu'on veut. Mais là, il y a quoi ? Il y a du vin ? Là, il y a du vin, c'est du bourgueil. D'accord. C'est un coup de breton qu'on a décidé de prendre. C'est des amis d'enfance, en fait, qui le font. Super. Donc, voilà. Après, on est parti. Je suis partie, donc, du coup, sur une crème montée au Sainte-Maure et au safran de Touraine. Oh là là. Qui va suppléer après, on va dire, la sucrine pour donner un petit coup de fraîcheur, un petit coup de croquant. Des escargots de Touraine. Sachant que là aussi, sur les escargots, on n'a plus qu'une seule ferme hélicicole. Donc, en fait, on a voulu aussi le mettre en avant. Et donc, forcément, une bière en charolais et un beurre en maître d'hôtel. La particularité, c'est que je n'ai pas de fromage fondu sur le burger. On est vraiment, en fait, sur un burger très léger où le fromage ne va pas venir nous tasser, en fait, l'estomac à la fin. Ça ne va pas manquer, le fromage ? Non, parce qu'il est dans la sauce et, en fait, ça, on bouscule un peu les codes du burger, en fait. Super. Il faut, on est en concours. Sur la, oui, prendre des risques. Prendre des risques. C'est ça. Sur la viande, quelle est la variété de viande que tu as sélectionnée parmi les quatre ? Charolaise. Charolaise. Pour pas qu'il y ait une viande, pour pas que la saveur prenne trop le dessus, c'était celle qui correspondait le mieux en fait pour aller avec le reste des ingrédients. Parce que cette année, j'ai aucune technique. Tout le monde peut faire en fait ce burger. J'ai vraiment mis que les produits en avant et j'ai même pas retransformé les produits. Avec les producteurs, on a fait en sorte que on soit le plus brut possible. Et que, en fait, je sois juste les petites mains de ces fabuleuses petites personnes. Bon, je ne veux pas te mettre en retard. Je te souhaite bon courage, Amélie, dans ce concours, avec ce cœur de Touraine que l'on a hâte de voir dresser. Bonne chance. On regarde le timing. On est à un peu moins de 21 minutes dans ce concours. Je vais rejoindre Malogwen. Ok, c'est riche. Ça va, Malogwen ? Et oui, ça va, et vous ? Très heureux de te revoir cette année dans ce concours. Déjà, oui, bravo sûr. D'avoir passé les étapes de présélection pour la deuxième fois. Merci, c'est très gentil. Qu'est-ce qu'on fait différemment quand on participe à ce concours pour une deuxième fois ? La préparation est différente. Une fois qu'on a goûté à cette épreuve-ci, on arrive mieux préparé. Voilà. D'accord, très bien. J'ai hâte de voir le résultat. Quand on parle de retour aux sources, Burger à fond sur la Bretagne. Donc, retour aux sources, le nom du burger, l'hamburger, par rapport à une recette d'Hambourg, une des premières recettes d'hamburger, convient
pimper avec des produits de chez nous. Donc au lieu des crudités, on va avoir un peu de laitue de mer. Le cornichon, il est mêlé avec un tartare d'algues. On va avoir des oignons en pickles juste ici. Vraiment, on a les marqueurs, la tomate avec une chips qui est juste là. Oui. On a vraiment les marqueurs de la recette originelle. Mais comme on ramène toujours un peu de Bretagne dans nos burgers, voilà, on est sur quelque chose de très, très local. Il y a un mélange, la terre-mer, en fait, c'est ça, avec les produits. Est-ce que ce n'est pas un risque que tu prends dans ce concours ? Si, si, mais si. Effectivement, enfin, après, on vient ici pour prendre des risques également. Voilà. D'accord, très bien. Vincent Bocara, qui est le chef gagnant du concours en 2017. Si tu as besoin d'avoir des conseils avec lui, je vous laisse avec lui échanger. C'est particulièrement intéressant. La sélection des produits est intéressante. Allez, on se dirige vers Maxime. Ça va, Maxime ? Ça va. Bon, parfait. Quelle est l'histoire du burger que tu vas nous raconter aujourd'hui ? Donc là, je suis parti sur un burger, on va dire, qui représente un peu la Normandie, ouais. D'où je viens, par avec rapport au thème. Voilà. Forcément. Le camembert, pomme. Les carottes de créance, la pomme. Super. On a un peu de boudin noir aussi, qui est mélangé avec des pommes et de l'oignon, qui sont flambés au calva. D'accord. Le pain est un peu particulier. Alors, je crois ouais. que de mémoire, je crois que c'est la première fois que l'on retrouve un pain de cette couleur-là dans ce concours. Il a été fait quoi là, avec de la carotte ? Il est fait avec de la carotte. Avec donc, la carotte. J'ai remplacé l'eau de base qu'on va retrouver dans les burgers par du jus de carotte. Et ensuite, j'ai aussi remplacé une partie de la farine, 10% de la farine, par une poudre de carotte déshydratée que j'ai fait moi-même. Ça lui donne que de la couleur ou ça lui donne du goût? Non, aussi ça lui donne aussi le goût. Aussi du goût. Oui. D'accord, donc ça c'est aussi particulièrement intéressant. Je pense que les membres du jury seront attentifs à cela. La viande, comment est-ce que tu vas la travailler, tout simplement? Ouais, tout simplement, juste avec un peu d'huile, un peu de sel, pour garder ce côté, on va dire, le vrai burger nature. La pomme, ça ne va pas lui donner un côté un peu sucré, un peu sucré-salé au burger ? Non, là, j'ai pris une pomme plutôt acide, on va dire, pas trop sucrée. C'est ouais. une pomme granny. Donc, ça va, on va dire que la carotte va ramener plus le côté sucré. Mais derrière, la pomme, elle va ramener un peu d'acidité et de fraîcheur. Je vais la mettre crue. Je vais la laisser crue et voilà. Il y a pas de comparativement aux autres candidats, il n'y a pas beaucoup de choses préparées à l'avance. Là, tu fais tout en temps réel. Un parti dans le temps, on est à 17 minutes de la fin du chrono. Il y a des petites choses que tu as quand même préparées avant ou pas du tout ? Oui, il y a le ketchup de carotte que j'ai fait. Qui est là ? Voilà. Il y a les galettes de boudin aussi que j'avais déjà préparées. J'ai juste eu à les snacker. Et sinon, après, c'est des petites choses, on va dire... qu'on ne peut pas trop préparer à l'avance, sinon ça va perdre... Par exemple, la salade, je vois si on la coupe à l'avance, ça va perdre le côté croquant que je veux rapporter dans mon burger. Bon, je te laisse tranquille, bon courage. Merci beaucoup. Bon courage dans ce concours. Je vais me rapprocher de Kevin, qui se trouve ici, avec les membres du jury. Ça va, Kevin ? Ça va très bien. Bon, très heureux de te retrouver cette année encore dans le concours. Je le disais avec Malogouane il y a un petit instant. Qu'est-ce que ça fait de revenir en tant que participant ? Il faut passer les épreuves de sélection déjà. Non, c'est super. Et puis cette année, je représente ma vraie région d'origine. Je retourne en Bretagne après 35 ans passés hors de Bretagne. Oui, parce que l'année dernière, tu étais présent, mais dans une autre région. Oui, j'étais en sud-ouest. Ouais. D'accord. Et donc cette année, c'était vraiment, je voulais faire hommage. Et quand j'ai vu le thème qui est sorti cette année, je me suis dit, il ne faut pas que je le rate. Parce que c'est le retour aux sources. Pour moi, je l'ai enclenché déjà depuis janvier. Et voilà, j'ai voulu travailler des produits de ma région qui me représentent et j'ai une histoire un peu particulière avec eux. Et l'andouille de Guéméné, c'était vraiment mon souhait d'articuler ma recette autour de ça. Elle est là, d'accord. Donc une belle andouille que je vais bien griller. Derrière, j'ai voulu rappeler un peu, avec l'andouille, qu'est-ce qui va bien ? Qu'est-ce qu'on mange avec une andouille ? Bon, on mange de l'oignon de Roscoff, donc un oignon rose de Roscoff que j'ai brûlé au barbecue, que je vais intégrer dans ma recette, qui okay. est juste ici. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, je vais avoir un Brière Savarin, donc c'est un fromage qui vient de Normandie aussi, qui est ultra crémeux. Terrible. Et pour compenser et pour achalander tout ça, je vais rajouter donc de la crème d'Isigny avec du chiseau, de la moutarde à l'ancienne et un peu de zeste de citron vert. Alors on est vraiment sur les produits de la région. Là, voilà, on est sur les choses très simples, mais qui, moi, se marient très bien. Oh. Et j'ai oublié de vous parler de la gelée de cidre. Oui. Donc ça, c'est une petite gelée, un petit cidre que j'ai fait chauffer. J'ai rajouté un peu de confiture de pomme à cidre. Et après, je l'ai collé à l'agar-agar pour avoir quelque chose qui va assaisonner en fait, et apporter de la sucrosité dans mon burger. Alors, le pain est un peu particulier. C'est quoi ? Ce sont des noisettes ? C'est du cacha. C'est du sarrasin torréfié que j'ai fait souffler.
Donc en trois cuissons, j'ai d'abord cuit à l'eau, j'ai fait sécher au four et je l'ai fait frire dans l'huile à 200 degrés. Ça donne quoi au goût à la... Ça donne un côté un peu fumé ou particulier du sarrasin. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. D'accord. Je vais en intégrer aussi un peu dans ma salade pour l'assaisonner. Oui. Et moi, je suis crêpier de formation. Donc utiliser du sarrasin en étant en Bretagne, c'était obligé. C'est un peu la logique. Mais je voulais justement trouver une originalité. Pas travailler un bun au sarrasin, ça marchait pas. Super. Et le fait de le faire souffler, l'intégrer. Et bah, ça remplace le sésame, ça fait un joli visuel et puis je l'intègre dans ma salade qui va apporter un peu de croquant aussi quoi, et de fraîcheur. Bon, on a hâte de voir le résultat. Il faut y aller là parce qu'il reste moins de 15 minutes et je vois rien chauffer pour l'instant. Hein. On y va. Allez, ça marche. Bon courage Kevin, merci beaucoup. Allez, autre candidat avec lequel on va échanger. Jonathan, d'accord. Jonathan. Parfait, Jonathan. Ça va ? Ça va très bien. Bon, très bien. On est à 14 minutes voilà, de la fin du chronomètre. Pour l'instant, rien ne chauffe, mais j'imagine qu'on est dans les temps. On est dans les temps. On teste, on fait des petits tests pour s'acclimater au matériel. D'accord. On ne connaît pas trop, on n'a pas l'habitude forcément de travailler avec, donc Bon, il ne faudra pas se rater au niveau du chronomètre. Hein, là. Je ne vais pas me rater avec ça, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Un mot sur le retour aux sources, qui est le thème imposé cette année. Le retour aux sources, comment est-ce qu'on concrétise ? Nous, notre burger, on l'a appelé le 1955, qui est l'année où McDo a ouvert leur premier restaurant de burger. Donc on s'est dit, pour revenir aux sources, rien de mieux que d'aller chercher le burger le plus simple qu'on ait trouvé. Donc on va partir sur une viande de bœuf avec du cheddar, avec lequel on va rajouter un confit d'oignon maison, qu'on a fait maison, et une mayonnaise citronnée également faite maison. Okay. Au niveau du cheddar, on utilise d'habitude du cheddar blanc, mais pour une fois, on a utilisé du cheddar rouge, parce que c'est le cheddar qui est vraiment utilisé traditionnellement dans les burgers. Donc on voulait vraiment coller dans le thème, donc on est parti sur ça. Burger simple, mais authentique. Simple et authentique. Là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le confit d'oignon. Confit d'oignon qui est fait maison, avec beaucoup de temps de préparation, donc 25 minutes pour le fabriquer, c'était pas possible. Là, il reste 13 minutes. À partir de quel moment on commence à s'activer ? Eh bien, dès qu'on a fini le micro. Bon, alors j'arrête, alors je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille. Bon courage, en tout cas, dans ce concours. Voilà, vous avez fait connaissance avec les cinq candidats. Céline qui filme pour les réseaux sociaux, évidemment. Ça va, Céline ? Très bien. Bon, super, génial. Voilà, avec notre Facebook Live ou Instagram Live, c'est quoi ? C'est un Insta. C'est Insta, voilà. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre, vous nous regardez certainement, j'imagine, sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa, mais vous pouvez aussi rejoindre les réseaux sociaux via Insta, le compte Instagram de ce concours et le compte Twitter aussi de ce concours. On va rejoindre maintenant les membres du jury. Un coup d'œil sur le chronomètre, 2 minutes 15. Voilà, et vous voyez peut-être les candidats qui s'affairent là sur votre écran. On va se rapprocher des membres du jury. Je vais laisser Didier discuter. Voilà, on a Pierre Brisson. Attention de ne pas, tomber. Pierre, parmi les membres du jury, ça goûte. Comment ça va ? On teste. Ça va, Pierre ? On va se mettre comme ceci, voilà, face à la caméra et devant Malo Gwen. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant qui a attiré ton attention ? Alors, goût, l'odorat peut-être aussi. Bah, un peu de tout, on va dire. Déjà, la première chose, c'est les yeux, parce que voir un burger de couleur sombre, c'est pas commun. Alors, c'est pas la première fois, puisque Vincent Bocara avait remporté en 2017 le concours avec C'est vrai, mais tu vois, une fois par an, ça suffit pas pour prendre l'habitude. D'accord. Et donc, quand toute la 364 jours par an, on a l'habitude de voir des burgers plus clairs, ça surprend toujours. Après, il y a le... Ce qui m'intéressait, c'était la mayonnaise, la composition de la mayonnaise qui était qui a déjà faite, donc avec des ingrédients bonne qualité qui ont été montés maison. Forcément, bon, ça c'est de par ma sensibilité quotidienne, le fromage, forcément, la qualité du fromage, donc mimolette et puis une tome le chartreux. Et alors, tu donc, verras. Ça va être un assemblage des deux, donc j'ai hâte de goûter ça parce que ça m'a l'air assez intéressant. Il faudrait que tu ailles échanger avec Amélie qui est la seule à ne pas avoir mis du fromage dans son burger. Alors si, elle a mis du fromage. Mais dans la sauce. Alors en fait, il y a une émulsion avec du Sainte-Maure de Touraine et du safran. Mais effectivement, on ne voit pas le fromage brut. Le fromage est déjà intégré dans une préparation. Donc, ça quelque part, le fromage est là, mais c'est vrai que c'est surprenant. Ça peut ne pas manquer à un burger ? Là, je te donnerai la réponse une fois qu'on aura goûté. Après avoir goûté, oui. Merci, je suis tranquille avec les candidats. Merci beaucoup, Pierre. Merci d'être là. On va
Alors là, on a une discussion de chefs qui se trouve là. Qu'est-ce qu'on peut savoir, ce que vous racontez, les chefs? Alors, on a trois champions de France et un chef étoilé. Qu'est-ce que vous dites? Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. David, vas-y, Vincent. Alors, si un jour vous allez au Pérou et vous voulez commander des couilles, eh ben, c'est du quoi? C'est du cochon d'Inde grillé. C'est du cochon d'Inde grillé, d'accord. J'en ai pas vu parmi les produits utilisés aujourd'hui. Fort heureusement, j'ai envie de dire, peut-être que... On parlait un petit peu des abats, donc voilà. Ah oui. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui ose manger des abats. On avait de l'andouille. C'est ça, j'ai vu de l'andouille, là, tout à l'heure. Donc on parlait un petit peu des abats. Je me rappelle d'un burger... Mais c'est le tien. Mais oui, celui de Samuel, l'année dernière, qui a remporté donc, le concours avec du riz de veau à l'intérieur. Et ça a été... pour la petite histoire, c'est le seul burger que j'ai goûté de toute la journée, puisqu'à force d'enchaîner des finales et des finales, on a très peu le temps de goûter pour ma part. C'est le seul que j'avais goûté. Pas du tout branché riz de veau, mais j'ai trouvé absolument délicieux et excellent. Oui. Je conseille... il est où ton restaurant, Samuel? Alors, on est dans le sud-ouest, Benesmarène, Tarnos, à Ustaritz. C'est le SB Artisan Burger. SB Artisan Burger. Voilà, d'accord, j'allais te demander de parler français, mais SB SB Artisan Burger, et vous pouvez rejoindre et aller trouver évidemment Samuel sur les comptes Instagram. Et d'ailleurs, en ce moment, il est en burger inspi, donc il est à la carte, on peut le déguster en ce moment dans les trois restos. Et je vous assure que si vous n'êtes pas branché riz de veau, il faut quand même le déguster parce qu'il est absolument terrible et il est à tomber par terre. Bon, je vous laisse au Pérou et là où vous voulez aller. Merci beaucoup. Didier, membre du jury, est avec nous. Bonjour Didier, bonjour. Merci de votre présence. Qu'est-ce qui vous attire dans ce que vous voyez parmi les candidats? Qu'est-ce qui attire votre attention? Ben, moi d'abord, ce que je retiens, c'est que le hamburger aujourd'hui fait partie du paysage de la restauration. Oui. Et on est beaucoup plus loin que ce qu'on a connu du hamburger dans les fast-food. Et qu'on voit en termes d'innovation, en termes de goût, il y a des vraies choses qui se passent. Et ça démontre qu'aujourd'hui, 80%, 90% des restaurants ont un hamburger à la carte et un hamburger qui mérite d'être à une carte d'un restaurant. Et on voit que les jeunes là sont innovants, il y a de la recherche. Et on va pouvoir tout à l'heure estimer la pertinence entre les différents assaisonnements, les mélanges des saveurs et puis la cuisson de la viande. Je pense que vous pouvez être surpris dans ce concours, Didier, notamment avec certains candidats qui osent. Oser, par exemple, le mélange terre-mer avec Malogouen. On a de l'andouillette, c'est ça, ici ou là. Et c'est vrai qu'il risque d'y avoir des saveurs qui attisent votre palais. Oui, il y a des produits qui vont être des exhausteurs de goût naturels. Oui. Faut-il encore que ces exhausteurs de goût ne viennent pas à un moment polluer ou l'un ou l'autre, et le hamburger, c'est aussi avant tout une lisibilité à l'œil, mais c'est une lisibilité au palais. Je dois au palais sentir et voir ce que j'ai observé à l'œil, et ça c'est très important. Donc les associations sont, il y a des associations originales. Faut-il savoir maintenant si les assemblées les unes aux autres vont être pertinentes en restitution gustative. Merci beaucoup Didier d'être là parmi les membres du jury. Merci à vous. Un coup d'œil sur le chronomètre. Il reste 6 minutes 30. 6 minutes 30 pour terminer donc vos burgers. Vous êtes parmi les derniers. Ça papote, ça discute ici. Ça, non, t'es pas perturbé non par, non, les, c'est bon, c'est bon. Par les chefs. 6 minutes, il reste 6 minutes pour redresser. Et je vois qu'on est déjà en train de dresser les burgers. Parfait, il faudra penser aussi à les découper. 6 minutes tout pile maintenant. Je vais demander à Chloé Labiche. Où est Chloé? Chloé là. Chloé The Pro. Venez me voir, Chloé. Bonjour. Je suis là. Ravi. On va se mettre à côté d'Amélie. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé parmi, ou en tout cas interpellé parmi les mélanges, peut-être les techniques, mais aussi les matières qui sont utilisées par les chefs? Oui, je suis assez soufflée. Hein. Vraiment, je pense que je serais difficile si je n'étais pas étonnée. Par quoi? Parce que, par exemple, la poire tapée. J'avais jamais entendu parler de la poire tapée. Pourtant, je connais un peu l'Ouest, mais je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est délicieux. On a eu le droit de déguster. D'accord. Et puis, voilà, le pari de le mélange avec les différentes saveurs. Notamment, je crois qu'il y a de l'escargot, si je ne me trompe tout pas. Tout à fait, exactement. Voilà, donc je trouve ça déjà très audacieux, avec de la viande, de l'escargot, etc. Donc, voilà, c'est prometteur. Et puis, je crois
Il y a aussi un mélange terre-mer. Je crois qu'il y a, ouais. Là, il y a du chiso. Avec de l'algue. Là, il y a de l'algue. Et là, il y a du chiso, du citron vert. Pareil avec une mayonnaise plutôt classique, moutarde à l'ancienne, etc. On sort vraiment du burger traditionnel et conventionnel. Bah, c'est ça. Et à la fois, il y a un candidat qui a joué le classicisme, le retour aux sources, dans le sens le burger classique. Donc, je trouve ça, c'est vraiment la magie du burger. C'est que ça peut être hyper gastronomique, hyper pointu et en même temps très basique. Et parfois, les deux peuvent être à armes égales. Donc, voilà. En tant que représentante de magazine professionnel de la restauration, le burger aujourd'hui, c'est un incontournable des cartes de restaurant. On en parlait avec Didier il y a un instant. Oui, bah, ça fonctionne. Les clients aiment ça. Les clients en demandent. Certains restaurateurs ne le font pas, mais c'est assez rare. Je ne sais pas, je crois que c'est 25% des restaurateurs, 25%, je crois. 25%, oui, tout à fait. 38 000 établissements qui l'ont, à la carte. Donc oui, c'est en même temps, ça parle à tout le monde. Les clients, ça parle de 7 à 77 ans, voire un peu avant, un peu après. Et puis pour les restaurateurs, ça va de la restauration rapide jusqu'au gastronomique. Donc le champ des possibles est très large pour ce produit. Ouais. Je vous laisse continuer à aller voir les candidats. Merci beaucoup, Colin. Merci d'être là. On va très rapidement, vous avez sur votre écran le burger qui est en train d'être remonté par... Maxime, il nous reste moins de 4 minutes, cher candidat. 3 minutes 45 pour être précis. Attention, c'est le moment de ne pas flancher. C'est le moment de bien gérer son timing sur les dernières minutes. Jonathan, il faut vraiment être dans les temps. 3 minutes 30, on arrive à 3 minutes 30. Je vous rappelle qu'il faut absolument donc avoir terminé de dresser les burgers et en découper 2 sur les 4. Les 2, vous les découpez en 4. Comme ça, ça fait 2 fois 4, 8 pour les membres du jury. C'est parfait. Et puis, vous vivrez tout à l'heure la finale nationale, tout à l'heure à partir de 16h30. Allez, un petit peu de pression. Sur votre écran, vous voyez Malogwen qui est en train de monter son burger, le burger terre-mer, avec, on parlait des algues tout à l'heure, 3 minutes. 3 minutes, ce qui nous laisse le temps d'échanger avec Céline quelques mots. Bonjour Céline, Socopa Restauration. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, hâte de goûter les burgers, Céline. Ouais, il y a beaucoup de propositions différentes avec des ingrédients variés, des associations étonnantes. Donc voilà, on verra. Hâte de goûter. J'en profite pour remercier toutes les équipes de Socopa Restauration. Ce concours, on vous le doit à vous. Oui. Ça fait 6 ans qu'il existe. Mmh. Il a pour l'instant permis à 1500 chefs de toute la France de candidater sur les 6 dernières années, avec un nombre record cette année. Ça montre l'engouement à la fois du burger pour les restaurateurs. Ça montre aussi tout le soutien de Socopa envers les restaurants qui mettent en place des burgers à leur carte. Tout à fait. Bah, le burger devient un incontournable de la restauration. Il n'y a plus de restaurants quasiment qui n'ont pas de burger à leur carte. Donc oui, on souhaite être le premier fournisseur de viande pour les burgers, forcément. Et c'est réussi. Et c'est réussi. Et ce concours est une belle vitrine pour nous sur tous les produits qu'on peut proposer à la restauration. Et pour tous les chefs aussi qui participent, c'est important aussi. Tout à fait. Merci beaucoup Céline. On va regarder le chronomètre une fois de plus. Il reste 1 minute 30, c'est maintenant que tout se joue. Ce sont les dernières secondes où vous devez rester absolument concentré, dresser les burgers et en découper 2 sur les 4 qui sont proposés. Maxime, on est dans les temps, il reste 1 minute 15 maintenant. Regardez Maxime, qui sait gérer son stress, qui sait gérer son timing. Il suffit donc de bien disposer. Pensez, n'oubliez pas que l'aspect visuel compte pour une partie des notes. En plus donc de la qualité gustative, du mélange des saveurs, il reste moins d'une minute. C'est parfait du côté de Maxime. Du côté de Jonathan, c'est bon aussi. On découpe les burgers du côté de Kevin. Du côté d'Amélie, il faut se dépêcher là, Amélie. Il faut absolument se dépêcher. On est à 40 secondes. 40 secondes, on reste concentré. Malogwen. Oh là là, 40 secondes, on a le temps, Malogwen. On a le temps. On y va doucement. Il ne s'agirait pas de se rater sur la présentation des burgers. 30 secondes. Attention, Amélie, petit coup de pression. Il reste 20 secondes. C'est terminé pour 3 candidats. C'est terminé, c'est dressé. Malogwen, on se dépêche. Attention, 15 secondes. J'ai un petit peu peur pour Amélie. Non, on en est parti sur la découpe.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, lâchez tout, s'il vous plaît. On lâche tout, s'il vous plaît. Amélie, on lève les mains, on se recule de la table. Merci beaucoup. Malo Gwen. Manque un petit truc, là, non ? Non ? Non, c'est bon, d'accord, très bien, parfait. Voilà, on rajoute juste le drapeau. Du côté d'Amélie aussi, c'est parfait. Bravo, vous pouvez applaudir les candidats de cette finale régionale Ouest. Waouh, on y est arrivé. On est arrivé. On va donc maintenant récupérer le plus joli, le plus beau qui va partir en shooting photo pour qu'il puisse après faire sa star sur les réseaux sociaux. On récupère les trois autres. Les membres du jury vont délibérer. Et nous, on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure, pour vous annoncer le nom du cinquième finaliste, celui qui participera à la finale nationale. La finale nationale aura lieu tout à l'heure à 16h30. Soyez au rendez-vous. Et en attendant, n'oubliez pas de laisser un petit message en bas de l'écran, en bas de la vidéo, pour encourager vos candidats préférés. On se retrouve dans un petit quart d'heure. A tout de suite.